Dieu d'amour, mon Dieu est parmi nous. Ça sent la bonne soirée. Comment on peut dire ça? Main ciseau fogre. Voilà, comme ça ils seront contents. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. En ce jour de dimanche, go to Lille. Il y a du monde ce matin là. Oui, j'ai du monde ce matin, disons. Je passe quoi? Ça. Oui, donc go to Lille pour l'hospitalisation pour Zoé demain matin à 8h. Donc voilà. On part tranquillement, on traverse Paris. Après, monter tranquillement, on s'arrêter pour manger aussi. Donc voilà. Et puis. Elle n'aura pas à se lever de bonne heure, tranquille, aussi bien que pour la maman et pour moi. Donc voilà. Donc ça, et je n'ai toujours pas trouvé pour demain après-midi, donc demain lundi. En plus, j'ai un nouveau client en plus pour du bloody. Donc midi peut faire l'aller, mais il ne pourra pas le ramener. Donc après-midi, il va à tour. Donc il me reste deux retours bloody et l'après-midi l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné. Ma cliente dans ma commune pour sa séance de kiné dans la commune. Les retours des ados, enfin l'aller-retour des ados même. Donc voilà. Donc, pour l'instant, j'ai toujours trouvé personne. Le fameux collègue qui me dit oui, je te tiens au jus, attends je regarde, attends je suis en train de rouler. Il devait me donner une réponse hier après-midi, mais... Je l'ai annoncé hier soir, toujours pas de réponse. Donc voilà. Moi ça me saoule les gens qui disent oui je regarde, je te tiens au jeu, mais ça dure deux jours. Donc moi je peux pas me permettre d'attendre longtemps non plus. Hein. Il faut que je gère. Donc je sens qu'il va y avoir des annulations demain. Je crains le pire. Donc voilà. Par mes affaires au cas où si ça se prolonge.
partir. J'espère qu'il nous aura plu. On s'en va, il a quand même, il dure quand même 1h15. Moi qui pensais pas avoir grand chose, alors j'ai mis pas mal de sacs en otage cam. Ça m'a permis de rallonger un peu le blague. Donc voilà. Et c'est tout. Voilà, bon, sur les routes, ça va être très calme. Sauf à l'émission de Paris, à mon avis, ça va être un petit peu le bazar. Alors ça peut être tout l'un ou tout l'autre, ça peut être extrêmement fluide. Extrêmement le bazar. Alors je pars un peu plus tôt aussi parce que je veux pas non plus voilà, les Parisiens en week-end ils sont tous en province et j'ai pas envie d'être dans les heures où les Parisiens rentrent chez eux, d'être dans les mêmes créneaux qu'eux. Donc là j'ai pas mis à zéro. La semaine dernière on a fait 1400 km, j'ai pas mis à zéro. Donc voilà, allez go to Lille. Ou chercher du gaz. L'usine là à droite, Mécachrome, c'est là qu'ils fabriquent les moteurs de Formule 1. Ça va être quand même sorti dedans, il n'y a plus pas du monde. Ouais, bah ouais. Même là. Allô. Ouais. Là, ça va, c'est plus, ça va aussi. Ça va aussi. Il n'y avait que jusque là. On est dimanche. Tu vois? Il n'y a pas de règle à Paris. Alors... Bah non. Mais c'est surtout que je me demande qu'est-ce qu'ils font les gens un dimanche comme ça. Puis ça force pas du tout, hein. Non. Ah non? C'est des vrais, mais c'est vraiment des gens. Wow, hey, blah. Oh. I wish you the
pas forcé. Je suis choquée. On est passé un camp, un lundi. Et on est repassé. On est passé un mardi. On est repassé un vendredi. Oui. Il y avait du monde, mais ça c'était fluide. Oui. Là on est carrément arrêté. Encore, dimanche. Encore là, c'est rien. Oui, non, mais j'ai connu, que là c'est direction Juif. J'ai connu ça boucher, mais ça boucher. Hein. Mais quand je dis boucher, c'est boucher. C'est à l'arrêt. Ou là, rouler vraiment à 5 km/h. Hein. Ça, j'ai connu. Hein. Elle est au téléphone. Ah bah elle est au téléphone avec un haut cul. Putain. Ah bouchon, ah merde. Ouais, comme tu dis, à pouf, hein. Ça s'arrête. Tu vas me faire claquer, hein. Mais non. Ah, si. J'en ai les fesses qui disent bravo. Ah bon? Ouais. Sur le truc, t'as vu, il y avait écrit Jésus t'aime, parle-lui. Oula! Il filme quoi ici? Dieu est amour, Dieu est parmi nous. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et au de la croix, dit que nous le chemin, toi qui le connais si bien. Ça freine, ça freine. Mais il y a ces qui glace. Non, sérieux, c'est chaud. Je confirme. Il le fait pas à chaque fois en plus. Bah non, je comprends pas. Par contre, je ne vais pas être routier et traverser par là. Ah non, moi non plus. Hein. C'est déjà avec une petite voiture. Pas une petite voiture. Pas une petite voiture, mais. Non, mais j'ai bien compris qu'elle était petite, ma voiture. Oh, mais contrairement à un camion, oui, c'est sûr qu'elle est petite. Hein. Putain, je viens de me faire mal à l'oreille toute seule. Jésus. Oh, c'est, je l'ai dans la tête. Ah, tu te l'es mis tout seul. Hein. Jésus revient parmi les tiens. Ouais. Tu veux aller voir le Charles de Gaulle? Bon, si tu veux, passe là, passe, je m'en fiche, c'est pas grave. Non, mais est-ce que tu veux voir l'aéroport? Ouais. On va aller voir là-dedans. Ouais. Fais gaffe à lui, là. Putain. Bah, ça va être de l'autre, là. Qui sont sur la pipe des gosses, on sait pas pourquoi. Mais c'est ça? On sait pas. Oula, pire. Tiens, le camion, c'est là. On dirait que
t'as aussi le centre commercial aussi. Pareil, les gens ils vont dire bon finalement. T'as un grand centre commercial. C'est un peu comme un mall. Comme quoi? Un mall. Genre c'est un grand bâtiment avec tout plein de. Plein de trucs. Ouais, c'est le truc de. Putain, le truc des taxis, je crois aussi. C'est pas ah sûr, ouais une forme. Hein. Je suis pas sûr, je peux le dire une fois. Oui, oui, non, mais. Après moi je connais pas. Hein. Restaurant, cinéma. Après je vais aller dans la. Loisirs. Tu vas voir les frais là. Ça va te coûter cher la visite. Hein. Tu vas avoir d'autres. Mais là, tu sais, il est pas haut. Et les gens, quand ils viennent chercher leur famille ou autre, quand ils arrivent trop en avance, ouais, ils se mettent tous en bord de route là aussi. Oh, super. Je vais avoir le terminal de métro. Ouais. Le monde qu'il y a, enfin, toutes les voitures qu'il y a. Terminal 1, ça va faire quoi? Ça va faire ça. On va chercher à voir qui est un terminal là. Tout ça, c'est les bâtiments, enfin les bâtiments. Où les avions se mettent en. Ils se garent. Ouais, ils sont tous comme ça en. Ah, en arc de cercle? Ouais. Ah putain. Puis tous les passagers passent. En fait, les avions, ils se garent, on va dire. Ouais. À côté de chaque machin. Ah oui, et c'est là où en fait tu rentres, puis qu'après tu rentres dans ton avion, quoi. Voilà. Voilà, le stationnement est prêt pour okay. Les gens d'attendre. Ouais, ils arrivent trop tôt. Voilà, pareil, il y en a un qui arrive. Ah oh, putain. Il est à la gauche, il est à la gauche. En fait, tous les avions se mettent en cercle. Ah oui. Ah, oh, je suis choqué. Ça, c'est beau. Voilà. Terminal. Bah c'est les beaux. Ouais. Oh là là, le monde. Tu m'étonnes qu'il y en a plein qui disent vaut mieux se faire emmener directement à l'aéroport en taxi. Ah, regarde là. Non, oh là. N'empêche, c'est énorme. Ah, même la tour de. Ouais. Tu vas chercher. Ouais. Tu repars aussitôt. D'accord. D'accord. Et après, bah tu vois, t'as les terminaux, t'as le terminal, t'as les portes. Ouais. Après, tu dois retrouver. Putain, c'est
par entrée 6, 8, voilà. Ça n'empêche, ça doit bien tourner. Hein. Ah bah, bien sûr, ça tourne. Et non, mais c'est immense. Bah oui, mais la structure. C'est, hein. C'est, ça s'agrandit. Et tu vois, les taquis parisiens, ils sont en bas. D'accord. Alors, ils ont un grand parking. Ouais. Un grand énorme parking où on voit souvent de Youspeed Taxi qui met oui, des vidéos. Oui, c'est vrai, oui. Ben, ils se mettent là. Ouais. Et après, au fur et à mesure que c'est à leur tour, ben, ils passent. D'accord. Et après, ils arrivent là en bas. Et après, au fur et à mesure, c'est dispatché. D'accord, et c'est là qu'ils récupèrent les clients. Ouais. Putain, il y a du monde pour un dimanche. Ouais. Et là, le gars, il a décollé. Alors ça c'est une partie hein. Ah oui, je me doute. C'est une partie que t'as vu. Oh, regarde tout ce qu'il y a là. Bah lui mais qui est en gauche, il est totalement en droite. Ouais. Un autre truc. Un petit peu moins de monde. Bah, je pense que ça c'est les vieux bâtiments. Et là-bas c'était des nouveaux. Après ça dépend la destination et tout déjà. Oui, enfin, bah oui. Là, ça c'est intéressant. Ah oui, ça c'est. Mais c'est bon hein. Il y en a un qui décolle. J'ai pas honte. Là-bas. Ça m'empêche, ça doit être impressionnant. Bah oui, c'est impressionnant. Parce que là, du coup, il s'élance comme ça, là, ici. Bah, c'est ouais, ils peuvent passer là. On aurait pu en voir un passer là. Mais ils décollent pas de là, toi, ils passent. Oui, non, ils passent et puis après. Ils vont aller sur les pistes et puis. D'accord. Parce que les pistes, elles sont vraiment de l'autre côté. Bah oui, oui. Ah, mais jamais qu'il y en a qui passent là. De toute façon, tu vois là. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est immense. Même ça, ça en fait partie. Ouais. Bah après, t'as les bureaux, t'as les hôtels, ouais, t'as les trucs. Ah bah top, merci, au moins j'aurais vu. Quand ils doivent récupérer les clients, bah, il faut qu'ils savent impérativement ouais. Quel terminal, quelle porte, quel machin, il faut les retrouver quoi. Tu m'étonnes, si tu te trompes de place, un petit peu dans le caca. Non, à mon avis, c'est des parkings pour les clients, ouais, pour les voyager ou des trucs comme ça, non ouais. Ouais, 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 ouais. Ah oui. Oh putain, ouais! Oh. Encore, c'est pas un gros, hein? Non, mais il est déjà énorme! Il y en a un autre là-bas, Air France. Oui, ils étaient en train de monter. Regarde. Ah, c'était Concorde. Ah
En plus, je devais être bien là-haut dans la tour de contrôle. Hein. Bah, on va voir le vertige. Tu m'étonnes. Puis il faut y monter. Il y a un ascenseur ou pas? Il y en a un autre là. Oui. République française. Ah bah, c'est l'avion du président. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est l'avion du président. D'accord. Oh, regarde, il y en a un qui a décollé là. Bah ouais, les pistes sont là. Hein, ouais, bah elles sont tout au fond, ouais. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Lille. Tu vois, ça peut être des tonnes et des tonnes, il dit, ça arrive à voler. Mais grave. En même temps, il faut voir les propulseurs et les moteurs qu'il doit avoir. Putain, il y en a dans tous les sens. Il y en a un, deux, trois. Putain, ça arrête pas. Ah, grave. Tiens, regarde. Putain. Celui-là, il vient de décoller. Hein. Il y a pas un petit virage. On a vu faire ça. Ouais, personne. Ouais. Il tient pas bien. Il y aura du vent, enfin des pierres blanches, je sais pas quoi. Ouais. Il y en a un hyper haut juste au-dessus là. Dommage. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est vraiment là. D'habitude, je roule vite et là, je prends mon temps. Et... Bah oui, mais c'est normal, tu les convois. Ah, oh, merde. Putain, on a vu le cul. Et voilà. Il vient de passer. Ah, dommage. Ah, fait chier. Pas grave. Et on en a vu plein là-bas. Amad. En plus, ça doit être impressionnant de le voir passer comme ça, là. Hein. Bah, on n'est pas bien, là. Ah, mon tatin. Moi, je suis en train de gagner. Ça va. Bon, allez, je continue à jouer. Fais un petit bout de grignotage. Et puis voilà. Allez, je continue. Une petite visite à l'hôpital. Donc voilà. Voilà, comme je sais que le matin ça roule pas bien du tout. Je viens en profiter pour faire un petit point.
concernant le précédent blague, il y a eu deux commentaires. Alors, en soi, on était très, très correct, très courtois, aucune agressivité ni rien de tout ça. Mais je vais quand même répondre verbalement. Il faut savoir que qu'apparemment les deux personnes pensent qu'on a des propos racistes concernant l'état des lieux de la région parisienne, sur le périph' et tout. Alors déjà, il faut savoir que ma cliente n'a jamais vu Paris. Déjà, elle l'a toujours pas vu. Déjà, elle n'a jamais pris le périph'. Elle connaît pas du tout Paris, la région parisienne. Et j'ai envie de dire, en soi, pour elle, ça a été une grande découverte. Donc voilà, il y a le chien qui traverse comme ça, tranquille. Et oui, donc c'était une grande découverte pour elle. Et et alors c'était surtout au niveau à la 41e minute de la vidéo, où je crois que c'était au niveau du fameux virage sur la droite, où c'était extrêmement dégueulasse, pour dire qui, hein, c'était extrêmement dégueulasse. Donc je crois qu'à ce moment-là, elle a dû dire c'était l'immigrant ou un truc comme ça. En soi, je la connais ma cliente, hein, c'était pas une critique vers les migrants ou des propos racistes envers les migrants. Je dis qu'il faut voir la réalité, c'est qu'ils fuient leur pays, certes, pas de soucis. Ils viennent chez nous, certes, pas de soucis. Mais je ne vois pas pourquoi ils peuvent se permettre de tout dégueulasser comme ça sur les bords de périphérique. C'est extrêmement dégueulasse. Ben voilà, je voulais vraiment préciser ça, parce que quand on nous traite de racistes ou autres, c'est un petit peu limite quand même. Même si vous pensez que ça a été limite dans les propos, alors soit je peux m'excuser de ces propos ou de mes propos d'ailleurs, qu'en soi il n'y avait rien de mal, je le sais, mais voilà quoi. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un endroit où c'est sale parce qu'il y a des migrants, parce qu'il y a des SDF, parce qu'il y a des riches français ou tout ce que vous voulez, parce qu'attention, on dit ça, migrants ou autre, tout ce que vous voulez, mais je sais que par exemple dans les quartiers chics, les riches, ils sont pas plus propres, hein. Des fois ils sont même pires, plus que dégueulasses, enfin, dans les ascenseurs ou autres, machin. J'ai eu pas mal d'échos là-dessus aussi, mais voilà, c'était juste une observation. Aucune critique vers qui que ce soit blanc, noir, marron, blanc, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais je tiens vraiment à le préciser, parce que dès qu'on dit un truc, des fois ça peut être mal pris et ça peut vite partir en cacahuète pour un tout. Alors, je répète, les deux personnes qui ont laissé des commentaires, ils ont été très polis, très courtois. Voilà. Et je les remercie d'ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je voulais vraiment, parce que j'ai dit un seul commentaire, j'ai dit bon allez. Le gars il est un peu énervé, il a passé une vraie journée. Puis après le deuxième commentaire, j'ai dit bon voilà, on va faire quelque chose parce que bon. Donc voilà. C'est comme moi quand je dis qu'à Lille, je les trouve. Alors on dit toujours les chétimis sont très accueillants. Oui, c'est vrai. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, Vraiment dans le Nord. Tout ce qui est Saint-Omer, Hasbrook, tout ça, ouais, ils sont très accueillants. Mais à Lille. Bah, je les trouve pas spécialement très accueillants. Est-ce que c'est leur façon de parler ou autre? Je trouve qu'ils ont un accent agressif en fait. Donc je le vois quand je vais prendre un café à l'hôpital, ou quand je vais chercher des sandwichs ou autre. Bah, je trouve qu'ils ont des fois un langage agressif quoi. Mais c'est pas pour ça que je les critique machin, c'est juste une observation. Donc voilà. Bon, la circulation du matin à Lille, c'est pas terrible, terrible, terrible. Entre les passages de niveau, les feux. Donc voilà. Puis c'est tout. Donc là, je me prends la tête à gérer mon planning. Je trouve personne pour cet après-midi. Là, on est mardi. Oui, bah, sur rouge. On est mardi. Et j'ai mon client pour sa consultation à Issoudun. Je trouve personne. Et j'ai
un client dans ma commune pour une consultation sur Bourges, mais je trouve personne. Ce matin, j'ai Arthur, mais j'ai trouvé personne, donc c'est un truc à annuler. Hein. Voilà. C'est extrêmement compliqué. Je dis ce que je pense, moi comme là, hein, je veux dire ce que je pense. Les collègues qui ont racheté les licences, bah, c'est pas pour ça qu'elles dépannent plus. Hein. Mais alors, pas du tout. Donc voilà. Donc, alors soit j'ai peut-être pas. Là je me rapproche de l'hôpital, mais c'est pas pour ça que je vais monter à la chambre, c'est juste pour pouvoir me garer. Parce que pour se garer à l'hôpital, faut s'accrocher, hein. N'est-ce pas Aurélien? C'est la merde, faut se garer. C'est fou. En tout et pour tout, il doit y avoir 5, 6 places de taxi devant. Et 4-5 places pour les personnes handicapées. Bah, les places sont chères, hein. Extrêmement chères. Donc quand on l'a, il faut la garder. Donc voilà. Pareil, oui, tiens, je parlais là des places d'handicapés, mais j'ai déjà eu des réflexions d'handicapés, j'ai déjà eu des remarques d'handicapés, comme quoi, c'est la vérité, hein. J'ai déjà entendu des gens dire, bah, les handicapés, si on sait que c'est un handicapé, il faut les avoir la naissance. C'est quoi ces propos? Mais voilà, t'en fais pas une généralité, je laisse, ça se couler. Après, ils disent ce qu'ils pensent. Ça sent la bonne soirée. Allez, se poser un peu, faire un match, prendre une douche, manger un bon repas et ensuite match. Mais quel beau but, magnifique. Oh lolo. Même dans le jeu, il est pas raison, il y a des pénalties. C'est impressionnant ça. Changer quelque chose pour égaliser, c'est pour ça qu'il demande ce changement. Ça gagne que sur les pénalties, c'est pas rien. Hein? Voilà, t'es content? Pas de problème, sur ces pénalties. Non, mais oui. Ce jeu est vraiment con. Hein. Un bon petit café. Prendre des forces. Allez, continue. Il fait beau aujourd'hui. Magnifique temps. Moi, j'ai pas la même chance que la première fois. La première fois, j'étais au deuxième. Là, je me suis retrouvé au troisième avec un Velux sans pète. Voilà. Avec toujours vue sur parc, mais le parc. Il est là-bas. Donc voilà. Nicole, avec les briques rouges. Il est beau. Bon, dommage qu'il fasse pas beau. Donc voilà. Donc j'attends tranquillement dans la chambre. Pour ce matin. Cet après-midi, j'irai les voir, faire un petit tour. Donc voilà. Allez, continue. Ça faut pas être large pour passer dans les portes là. Moi je rentre de côté. Bah quoi? Ouais, mais t'as vu la largeur de la porte? Bah oui, c'est bien. Mais même là? Ouais. C'est pas des portes normales ça? Mais toutes les portes sont comme ça? C'est un problème ici ou?
sont toutes maigres. Bah c'est plus maigre ce tarif là, c'est des feuilles de papier. Mais pas ça dans ton vlog, on va dire que... De quoi? Bah là, la dernière fois on m'a dit que j'étais raciste et maintenant on va dire que je suis quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On dit qu'on est grossophobe quand on n'aime pas les gros, mais bon je suis grosse alors je peux pas ne pas aimer les grosses vu que je suis grosse. Mais j'aime pas les mecs donc je suis... comment on peut dire ça? Mincisophobe. Voilà, comme ça ils seront contents. Voilà. Ah là là. Ça va l'aller hein. L'aller-retour Lille, c'est fait. Et je pense que c'est le dernier. Ça s'est pas bien passé du tout. La maman s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Et elle a bien. Et elle a répondu bien sûr. Hein. Elle ne s'est pas laissé faire. Parce que suite au EEG de 48 heures, Zoé n'a pas fait de crise du tout. Mais elle a absolument rien du tout. Du coup pour eux, elle n'a rien. Enfin, elle n'a rien. C'est pas qu'elle n'a rien. C'est juste que bah, du fait qu'elle a rien fait, bah, ils se posent des questions de comment, de pourquoi. Et qu'ils ne veulent pas la suivre en fait. Et il a conseillé de retourner à Tours. Et que la maman, bah, bien entendu, ne veut pas suivre à Tours. Enfin, bref. Du coup, le rendez-vous, l'entretien s'est très mal passé. Elle s'est agréée. Donc voilà. Donc, du coup, je pense que les prochains, bah, la maman va se renseigner dans un autre hôpital. Parce que Lille ne veut pas la suivre parce que Zoé habite beaucoup trop loin. Et voilà, ils veulent pas la suivre. C'est tout simplement comme ça. Bref, donc voilà. Par contre, j'ai envie de dire que Lille, voilà quoi. Alors je sais pas trop comment je vais monter mon vlog de la semaine déjà. Mais concernant le vlog de la semaine dernière, j'ai eu des commentaires comme quoi il y a eu des propos racistes avec ma cliente et moi-même. Quand on passe la période de Paris ou autre. Je sais pas comment. Parce que j'ai fait une séquence, mais je sais pas si je vais la mettre. Faut que je l'écoute, si j'ai bien expliqué. Je veux surtout être bien clair. Mais je vais voir ça. Mais ouais, il n'y a jamais eu de propos racistes. C'est juste que ma cliente, elle est de la campagne, n'a jamais vu Paris, n'a jamais vu la région parisienne. Voilà, moi, personnellement, je connais Paris. Hein. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait mes études en 3e, j'ai habité dans le 18e et j'ai habité aussi dans le 9-3, à Seine-Saint-Denis. Donc voilà, moi, pour ça, je connais très bien les immeubles, les bâtiments et tout. Ma cliente, elle, c'est la première fois qu'elle voyait, on va dire, tout ça. Et les remarques ou critiques, comme vous voulez, sur la propreté de la région parisienne, il faut avouer que c'est pas forcément très très clean. Alors quand on disait oui, parce que c'est les migrants ou autres qui sont là, qui malheureusement ont fui leur pays pour diverses raisons, qui ont fui le pays pour raisons de guerre, pauvreté, tout ce que vous voulez, mais en soi, j'ai envie de dire que c'est pas une bonne raison, c'est pas une raison valable pour leur donner, enfin, pour qu'ils salissent. Hein, la région parisienne, alors qu'ils fassent leur cabanon, tout ça, bon, ok, mais qu'ils mettent leurs déchets partout sur le périph'. Voilà, et c'était surtout ça. Et moi, quand je dis les cousins, par exemple, quand je dis les cousins, bah, vous avez compris, c'était les gens du voyage. Et moi, je dis les cousins parce que quand ils vous parlent, ils vous disent toujours oui, mon cousin, nanana, oui, mon cousin. C'est pour ça que moi, je les appelle les cousins. Il n'y a pas de propos racistes, il n'y a rien de tout ça. Et après, il y avait l'histoire du. J'ai vu le commentaire, le coin coupe-gorge. Bah voilà, c'était par rapport à l'emplacement, les immeubles, les tags, les machins. Voilà, là tu sais ça, mais c'est pas. Faut le prendre vraiment au second degré, quoi. Il n'y avait pas. En soi, en elle-même, il n'y avait rien de mal. Je la connais très bien, ma cliente, donc elle a une très grande bouche. Mais voilà, mais c'est tout le temps comme ça entre nous. Sur l'île, elle a remarqué que les portes des maisons était extrêmement pas large.
Ça faut pas être large pour passer dans les portes là. Moi je rentre de côté. Bah elle s'est auto-critiquée en disant mais moi je passe pas à la porte moi. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc faut pas. C'est pas parce qu'on a parlé de la région parisienne, la saleté et tout, qu'il faut dire ouais voilà, c'est des propos racistes. Faut arrêter avec ça les gars. Alors, en soi, les deux commentaires que j'ai eus, les gars, vous avez été très corrects dans vos propos, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez décidé de vous désabonner, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faut pas dire qu'il y a eu des propos racistes parce que c'est pas vrai. Voilà, je tiens juste à éclaircir la chose. Donc voilà, et je parle de ça puisque j'allais aussi vous dire que ça revient à même, comme là je vais dire, c'est que Lille, pour moi, Lille, les gens sont pas agréables. Ils sont pas accueillants du tout. Moi, je connais du monde dans le Nord-Pas-de-Calais, côté de Saint-Omer. Moi, plus proche de Lille, c'est Béthune. J'ai un copain qui habite entre Lille et la frontière belge. Bon, il est accueillant, c'est un bon pote. Après, ouais, il y a Béthune, après il y a Saint-Omer, il y a Hasbrouck. Bah, c'est des copains qui sont hyper accueillants, c'est des régions accueillantes, tout ce que vous voulez. Bah, à Lille, je le disais, pour moi, ils n'étaient pas accueillants du tout. Du tout. Surtout qu'ils ont un commentaire. T'es pressé, toi ? Trop du cul, moi. Je trouvais que les gens n'étaient pas accueillants du tout. Mais c'est pas pour ça que une grosse critique, j'y retournerai jamais, ou autre, ou machin. C'est juste une observation. Ouais, je trouvais que. Même au niveau de l'hôpital, hein, il y avait des infirmières. Comment elles parlaient à la maman, des fois. Ouais, d'accord, et tu te laisses faire. Donc voilà quoi. Bref, donc faut que la maman voie pour les prochains rendez-vous pour trouver pour ces crises. Donc voilà. Donc là, je rentre tranquillement après 3 jours de déplacement, enfin, depuis dimanche. Et demain, tour ortho et ptico. Une bonne semaine. Donc là je vais aller récupérer mes filles, elles vont être contentes de me voir, et puis se poser, ranger les affaires, prendre une bonne douche, et on verra ça demain. Allez, repos. Tu vois, regarder le blog, hein, le voisin. Il est à ta droite dans l'impasse, même si on est en trottinette. Remonte donc. Et tu fais ça parce que. Trottinette qui sort de mon lotissement là, un de mes voisins. Ça part travailler en trottinette, je sais pas où est-ce qu'il va. Hein, j'espère pour lui qu'il va pas trop loin, mais le matin comme ça. Ouais. C'est la Covid. C'est la dernière journée de la semaine. go to tours pour la journée. Ortho ce matin et psychomotricité cet après-midi. Donc voilà. Pour midi, il fait la journée comme d'habitude de vendredi. Sauf qu'il n'y a pas Clara. Il y a la cliente pour sa séance de kiné, il y a un dépannage pour Carolus, le client où il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Cet après-midi, les ados, petit retour tôt du matin, comme Nathan, le client pour sa séance, enfin mon client pour sa séance de kiné, mais j'ai donné l'aller, il me dit pas faire tout. La cliente pour sa séance de kiné où elle y va d'habitude le mardi matin avec sa soeur dans l'enchaînement. Voilà, c'est cet après-midi. Oui, d'ailleurs, j'en avais parlé dans les vlogs. Je dis à tous les coups, elle va m'appeler le mardi matin pour me dire qu'on n'est pas venu la chercher autre.
Sauf qu'elle n'avait pas du tout rendez-vous. Voilà. Bah, je ne suis pas, puisqu'elle m'a jamais appelé. Donc voilà. Cet après-midi, donc ça. Et les boulistes, j'ai pas une nouvelle de la personne qui s'occupe d'eux. Elle m'avait envoyé un mail en début de semaine pour un des trois boulistes qu'il avait rendez-vous dans la semaine et qu'elle me tenait au courant s'il y avait ou pas pétanque. Mais j'ai pas une nouvelle. Donc pour le début, ça doit être bon. Alors après, c'est pareil, c'est dans quel sens? Je vous donne des nouvelles, mais dans quel sens? Est-ce qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas? Donc je pense que par mesure de sécurité, je vais quand même envoyer un mail, savoir s'il y a pétanque ou pas, pour être sûr. Donc voilà, et il faut que je gère le planning pour lundi, parce que lundi matin, midi, est en extérieur. Moi, je vais faire la séance pour sa séance de kiné. Je redonne le client qui a sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Je peux pas l'aider. Hein. Il y aura certainement mon client pour le bloody. Ça, l'après-midi, je vais à Tours pour l'orthoptiste pour Zoé. Le midi, il sera là pour l'après-midi. L'après-midi, il y a des courses à ordonner. Parce que je ne peux pas tout enchaîner. Donc voilà. Je ferai ça dans la matinée tranquille, je vais voir ça. Oui, pour aujourd'hui, j'ai redonné un tour. J'ai pas oublié midi parce que j'ai passé la semaine à chercher sans arrêt pour aller les courses. Des fois, je serrais énormément les fesses pour qu'il y ait des annulations pour les collègues ou autres. J'ai eu de la chance d'ailleurs, puisque j'ai un collègue, c'était quand? Mardi ou mercredi? Non, c'est mardi, je crois. Où je trouvais, non, je ne sais plus quel jour, c'était mercredi. J'avais deux clients, un pour une consultation à Issoudun et un autre, c'était une consultation sur Bourges. Je ne trouvais personne. Et deux heures avant, je trouvais pour l'extérieur, pour la consultation à Issoudun. Et le deuxième client, pour son rendez-vous sur Bourges, j'ai dû trouver une heure avant la prise en charge. Parce que les collègues avaient des annulations. Donc là, je me suis dit, pour vendredi, vu tout ce qu'il y a à faire dans l'enchaînement, je me suis dit, le vendredi, c'est déjà compliqué à ordonner de base, parce que souvent, les collègues sont partis en extérieur récupérer les gamins qui sont partis en extérieur, qui sont pas là de la semaine, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est assez souvent. Enfin, c'est courant. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Je vais redonner mon tour et comme ça je suis tranquille et j'ai juste fait un coup de fil pour me donner mon tour et ça. Bon, je l'ai donné à ceux qui me dépannent beaucoup donc voilà, demain donc voilà pour le moment. Bon, hier j'ai commencé à monter le blog. Bon, il y aura pas mal de dashcam parce que sur place comme j'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Bon, j'espère que la petite visite à Roissy vous aura plu. En tout cas, ça a plu à ma cliente. Comme elle n'avait jamais vu Roissy Charles de Gaulle, les avions de près. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Bon, vous n'aurez pas forcément la même vue qu'elle, elle a vu. Mais bon, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Roissy, voilà. Là, vous auriez vu comment ça fonctionne avec les terminaux, les ports, enfin, tout ça. Donc voilà. Allez, du virage et go to tous. Le téléphone portable tue. C'est beau. Bah, c'est la vérité. Bah oui, elle traverse en plus. Elle traverse n'importe où et le nez sous le tel. Je pense que tout le monde est à bout de nerfs.
Ouais, je pense que c'est la fin d'année, la fatigue, machin, l'histoire de Covid et tout, ça a tout. Ça travaille. Enfin, indirectement, ça travaille les gens. Mais il faut pas, oui, ça c'est clair. Hein. Non, fais pas n'importe quoi. To put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati. You've come to take control. You can take my heartbeat. But you can break my soul. We well-educated people capable of critical thinking. And I... A few moments later. Tu prends pour Schumacher? Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Bien. Il s'est pris pour qui lui? Bonjour. Oui, bonjour, j'ai fini mon intervention à l'hôpital. Ok, alors, bah, je sais pas si... d'accord, bah, je vous envoie quelqu'un au plus vite alors, pas de souci. D'accord, ça à marche. À tout à l'heure. Merci. Merci. Heureusement, c'est une zone à 30. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a pris la zone à 30. Mais c'est derrière. Oh là 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 là, mais c'est pas possible quoi. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Faut être con, hein. Putain. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens, c'est pas possible ça. Il est en train de se décroter le nez. T'as fait quoi là? T'as fait quoi? Il fait un fuck là ou quoi? Non. J'arrive où vous m'a fait un fuck là? Vas-y, viens me doubler maintenant. Ouais, t'es du plus là. Hein. Mais ils ont quoi dans le cul aujourd'hui? Ah ouais, ils sont pas là. Je vais me faire un fuck, mais après t'avances plus mon gars. Hein. Pauvre merde, va. Il me fait un fuck. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, il m'a fait un fuck. Bon, bah voilà. L'aller-retour tour, c'est fait. J'ai pas forcément fait beaucoup de séquences. Je dirais même pas du tout. Bah, j'ai pas mal passé mon temps au téléphone pour le planning lundi. Il a fallu que je gère en urgence pour cet après-midi. Parce que midi en début de semaine, elle avait fait une entrée d'hospice pour l'hôpital Trousseau. Et la cliente a sorti cet après-midi. En sachant que midi, il avait pas mal d'enchaînements à faire. Donc il a fallu que je gère en catastrophe le planning pour l'après-midi. Bon, après, il avait vu avec la cliente, voilà, si jamais on arrive à être torsi, est-ce que ça va être dérangeant ou pas? Elle a dit non, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous ne pouvez pas gérer votre planning, je vous attends, il n'y a pas de souci. On a été super sympa pour ça. Mais bon, j'ai quand même géré le planning, j'ai réussi à trouver du monde pour se faire dépanner. Du coup, midi a fait l'allée des ados et ensuite un tour. Donc voilà, et bah, j'ai géré aussi mon planning pour lundi. J'ai pas tout trouvé, j'ai juste trouvé pour l'aller-retour de notre client l'après-midi. Alors j'ai donné l'aller-retour parce que pour ceux qui connaissent, c'est du forfait en A, donc aller-retour, en A et plus attendre. Et quand on donne un aller ou un retour, on perd la facturation en attente. Et on est obligé de facturer que en A, aller ou en retour. Mais c'est hyper perdant. Enfin moi je le comprends, je pense que les collègues taxi qui regardent, ils vont comprendre, mais donc voilà. On ne peut pas facturer deux fois C. C'est tout. La psycho, ça a été pris un petit peu plus tôt que prévu. Très bien, c'était arrangeant. Donc voilà.
vrai qu'on s'est commencé avec la cliente, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas été à Tours. Entre les vacances et les 2 semaines de Lidl, on a retrouvé notre magasin Game Cash à Tours, j'ai une vidéo et tout. Il y avait rien. Donc voilà. Et puis. La semaine est terminée. La semaine prochaine, ça va repartir pour les semaines normales. On va dire, on prend les bonnes habitudes. Donc, déjà lundi après-midi, tout pour l'orthoptiste. Mardi, tout matin et l'après-midi. Mercredi matin, tout. Mercredi après-midi, tout avec mon beau-père. Jeudi, relativement très calme. Et vendredi, tout matin et après-midi. La semaine prochaine, les tours, ça va y aller. Ça, midi la semaine prochaine, il va aller à Rouen mercredi. Pareil, j'ai eu ma cliente aujourd'hui concernant les factures. Ça ne va absolument pas du tout. Je ne vois rien avec le soleil. C'est impressionnant. Donc voilà. Voyez, ce week-end, il faut que je refasse les factures parce que bah, pour la MGN, ça ne va pas du tout. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. ça et donc on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On a passé un très très bon week-end, passé un bon dimanche. Prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.